au débrief de la Chenelière avec Alex et Olivier. En marchant vers son rendez-vous avec Sophie, il se rappela de tous les amis qui avaient caché à Sophie. Des gars qui auraient pu lui plaire. Il se mit à énumérer tous les défauts de Sophie. Un exercice qu'il faisait de temps en temps qui lui permettait parfois d'être en paix avec la vie. Sophie est exigeante, compliquée, souvent centrée sur ses besoins. Parfois superficielle avec ses idées un peu bourgeoises. C'est vrai. En plus, elle se ronge les ongles. C'est pas très féminin. Elle pose trop de questions. Elle est pas très subtile. Elle est myope. Elle manque vraiment de grâce quand on se mouche. Comment se cogne sur une chaise? Elle dit pardon à la chaise. Quand elle est nerveuse, elle tortille une mèche de cheveux qu'elle met dans sa bouche. C'est adorable. Quand elle rit, ses yeux s'allument et puis disparaissent et deviennent deux fossettes. Et... François avait lamentablement échoué l'exercice. Moi, là, le mensonge, je suis pas capable. Peut-être que s'il me l'avait dit qu'il était marié, j'aurais pris le risque d'être sa maîtresse. Peut-être. Mais qu'il a voulu me le cacher, là, ça, je le prends pas. Mais j'en reviens pas, un bel Italien, là. Oh, beaucoup de classe. Arrête donc. Non, mais lui, il voulait peut-être juste s'offrir un moment, il pourrait sincèrement oublier sa femme. Pour toi, le moment d'une nuit. C'est beau, je trouve, qu'il te l'ait pas dit. François, me fais pas l'éloge du mensonge au nom de je sais pas quoi. Au nom du rêve, de la poésie! François. Je te promets, mais c'est un con, ce gars-là, c'est tout. Bon. Moi, là, je veux quelque chose de bien simple. Une relation stable. Ma mère est tellement inquiète. Oh, Sophie, tu fais quand même pas ça pour ta mère. Ben non, mais c'est insupportable. À chaque fois que je vais souper chez elle, à m'en couvert de plus, encore où je me sois trouvé quelqu'un. Puis elle me racontait encore comment elle a rencontré mon père. Elle me nargue. Elle me bave. Elle me dit que je me complais dans des relations de peu d'envergure. Mais c'est pas vrai. Moi aussi, je veux une famille. Des enfants. Des sapins de Noël. Des traditions. Sophie, j'ai une idée. Une très mauvaise idée, puisqu'il n'aurait jamais voulu, évidemment, que Sophie et Robert se rencontrent. Il voulait Sophie pour lui seul. Et pourtant, la rencontre entre Robert et Sophie était inévitable. Sinon, l'histoire serait trop simple. Oh, puis de toute façon, il n'y a pas grand-chose à craindre, puisqu'un coup de foudre entre Robert et Sophie était absolument impossible. Inimaginable. Il se dit qu'il fallait absolument qu'il arrête d'être jaloux comme ça. C'est quoi ton idée? J'ai un ami, une connaissance, là. Il est ton genre, beau, grand gars, là. M'en ressemble un peu. J'ai rencontré un lancement, puis depuis, il vient de temps en temps au café. Il est professeur de littérature. Un homme d'une grande culture. Beaucoup des classes. Ah mm-hmm. Ouais? Mm-hmm. Pourquoi tu m'en as pas parlé avant? Je le connaissais pas. T'es sûr qu'il est pas marié? Il dit qu'il était divorcé. Bon, puis son ex est dans le décor?
Non, ça fait 2 ans, ils ont même pas eu le temps de faire d'enfants. Puis physiquement? Ben, je te dis, beau grand gars. Non, oui, elle est son ex. Mais comment physiquement? Pourquoi tu veux savoir ça? Parce que si elle est plus belle que moi, je veux pas le rencontrer. Oh, t'es donc même fatigant, Sophie, j'ai jamais vu son ex. Ça fait pas longtemps que je le connais, Robert. Il s'appelle Robert. Oui. Ben, j'aime pas tellement ça. Oh, t'es ok, ok. Robert. Correct, s'il est professeur de littérature. Ok, je vais aller faire un souper. Juste une dernière chose. Quoi? Pas que tu te fâches, là. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit que tu t'appelais Geneviève. Quoi? J'ai dit que tu t'appelais Geneviève. Mais pourquoi t'as fait ça? Ben parce que je te jure, il y a comme un blocage avec le nom de Sophie, là. Ben parce que son ex s'appelait Sophie pis ça s'est très mal passé. C'est quoi ce niaisage-là, franchement? Ben écoute, pour que ça se passe bien, là. Sophie la Montagne, c'est mon nom pis c'est tout. Il vivra avec. Geneviève, Sophie, qu'est-ce que ça peut te faire si elle fait plaisir? François, quand on était coloc, j'acceptais de mentir à toutes sortes de filles qui appelaient à l'appart. Je l'ai fait pour toi. Mais là, c'est un peu trop. Sophie, juste pour pas mettre de froid, s'il te plaît. Tu vas voir, il est tellement charmant, vous allez tellement bien vous entendre. Prends ça comme un jeu. Il est tellement hâte de te rencontrer. Tu lui as parlé de moi? Pas trop, là. Tu lui as dit qu'on était déjà sortis ensemble? Non, il n'y a pas besoin de savoir ça. Non, c'est vrai. Oublie pas, Geneviève. Ok, ok, mais je trouve ça con. Écoute, je suis sûr que c'est un homme pour toi. Il est un petit peu plus vieux, comme tes aimes. Puis lui, il est responsable. Mûr, tu sais. Puis lui, il a une vraie carrière. Ta mère va être contente. Bon, ben, il faut faire vite maintenant. Organise un souper demain. T'es bien pressée. Bientôt, je pourrai plus avoir d'enfants, François. T'as 28 ans. Ben, justement, le temps qu'on voyage, qu'on emménage, qu'on passe notre crise. De quoi une crise? Ben, voyons, François. On fait pas d'enfants sans avoir traversé au moins une grosse crise. Sinon, la relation est vouée à l'échec. Ça va pas? Admettons. Je t'appelle pour le souper. Pourras-tu m'aider à habiller? Ok, mais je veux pas que ça dure 4 heures comme l'autre fois, là. Promis, je t'aime. Bye. Oh, François! Quoi? Qu'est-ce que tu vas lui dire? De quoi? À Robert. De moi, qu'est-ce que tu vas lui dire? Je sais pas. Dis-lui pas trop que je suis belle, il va être déçu après. Ok. Dis-lui quand même que je suis belle un peu. C'est important pour lui qu'un autre homme me trouve belle. Ok. Hé! Hey, pourras-tu me faire les cheveux comme au mariage à ma sœur? Ok, ok. Tu penses pas que ça va être un peu trop? Oui. Tu dis ok, ça va être laid. Sophie, je suis déjà en temps, faut vraiment que j'y aille. Ok. On s'appelle.